Le Kenya a décidé à faire du tourisme l'un des leviers de son économie. Nairobi, d'après les informations de l'agence Bloomberg, envisage des discussions avec des compagnies aériennes à bas coût telles que Ryanair et EasyJet pour desservir le pays à cet effet. Le tourisme a rapporté au Kenya l'année dernière près de 119 milliards de shillings, environ 1,2 milliard de dollars, d'après l'Office kenyan du tourisme. Avec une faune sauvage variée, le Kenya est une destination prisée par des touristes européens. D'après le ministre du Tourisme, la plus grande clientèle du pays s'est recrutée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne devant les États-Unis, l'Allemagne et l'Inde. Au moins 16% des arrivées proviennent d'autres pays africains. Le Kenya projette cette année une augmentation de 18% d'arrivées de touristes sous l'effet conjugué de l'amélioration de la sécurité et des infrastructures de transport comme le chemin de fer et la construction de nouveaux hôtels affiliés aux grands groupes internationaux. Kenya Airways, troisième plus grande compagnie aérienne en Afrique subsaharienne, lancera des vols directs vers les États-Unis le mois prochain et prévoit d'ajouter 20 nouvelles destinations au cours des 5 prochaines années.